Son, bon, il va falloir bosser maintenant. Alors, voilà, nous voici dans le studio de l'Alter JT. Oui, Marc, je suis avec toi. Je peux te parler de ce que tu veux. Tu n'as qu'à me demander. Bah, parle-moi d'amour, vas-y. Oh, mais ça me gêne parce que justement, avec ma chérie, on a eu beaucoup de débats, on s'est offert des bagues et tout. Je te le rappelle, nous avons un devoir à remplir. Ici, l'info manifeste. Et oui, l'info manifeste, c'est l'Alter JT, c'est le journal télé alternatif. Et d'abord alternatif parce qu'il n'est pas sur la télé. La télé, c'est un objet du passé, c'est un objet de l'aliénation, c'est un objet de Big Brother. Mettez-le à la poubelle et passez sur l'Internet. L'Internet qui certes appartient un petit peu à l'armée américaine, mais bon, il faut quand même savoir faire des compromis, parce que s'il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas la télé, on est dans la merde. Donc, merci beaucoup. On va le bronzer un peu. Tu vois, on le bronze un peu. Voilà, là, il ne brille pas beaucoup. Elle, maintenant, on va la maquiller un peu. Voilà. Oh, putain, c'est beau, ça. Donc là, je vais faire pareil, plan large. D'accord, on est bien. Alors maintenant le détail à la une. Non, mais c'est quoi ça, c'est USB de merde. Ah bon, ça filme. Il n'y a pas de miroir. Ah tiens, t'as pas ton. Et tu l'as pas ramené ton. Ah, ton miroir, Il est dans mon miroir magique. C'est ta magnifique pièce là. Je vais prendre ça. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue d'entre. Bon. Tu te remues, Jacqueline là parce que. Hey, il fait bien les déchiens. Salut. Il est où le miroir dans ton truc là? Et pourquoi mais, ouais, faites pas l'intro vous et puis après t'arrives. C'est quoi ton oh fou, non. Pourquoi? Ah oui. Bonjour. C'est pas juste bonjour. Bonjour. Un nouveau jour. C'est pas mal ça. Bonjour. Le jour se lève. Le jour. Un nouveau jour sur la terre. Bonjour. Un nouveau jour sur la terre. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour à tous, hello everybody. Everybody, hello. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Alter JT, nous sommes heureux de vous retrouver. Estelle. Ah non, c'est Léna. On sait plus, oui, oui. Ouf, oui, Léna, oui, oui, oui. Oui, oui, eh bien, annonce. Non, je suis Gaëtan, je le remplace, malheureusement, il est absent aujourd'hui. C'est pas vrai, c'est un putsch. Putsch. Bouge-toi de là. Souris danse. Bouge-toi de là. Alors aujourd'hui, on va pouvoir faire plein de blagues. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, allez dire que vous êtes flippés. Ah ouais, vous rendez pas compte que vous venez de ruiner tout un capital que nous avons essayé de construire. Le capital, de quoi tu parles? Tu vois que ça un capital de crédibilité. Dans un média alternatif, il utilise les mêmes. Oui, parce qu'il est un média libéral. À l'ennemi. Ils nous ont volé nos mots, comme a dit Franck Lepage, M-A-U-X. Que tu ne couvriras pas. Voilà. Oh, alors ça, franchement, oula, ça, je l'ai là, c'est là, en train de la gorge. Franck Lepage. C'est méchant. Hein. Moi, j'ai envie de rencontrer Franck. Mais tu peux le rencontrer sans caméra, il y a un monde en dehors de ce truc-là, de mais cette lucarne qui est... Mais j'ai un talk. Salut. Excuse-moi, je pense que tu n'arriveras pas à l'intéresser sans caméra. Regarde, d'ailleurs, là, c'est Johan qui tient la caméra. C'est voilà. Très dur pour moi. Léna, tu arriveras à l'intéresser même sans caméra. Essaye de croire en toi un peu. Non, mais j'avais envie de le filmer. Eh ben, écoute, une autre fois, ou t'as qu'à le filmer pour de rire. Je te filme. Pour de rire. Non. Il y a des caméras Fisher-Price. Il faut qu'on trouve la... Bon, on va quand même soutien-gorge à travers, là, ça va pas du tout. Bon, arrête de nous parler de ton intimité, là, au moment où on essaie d'être créatif. Alors, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue ça, dans ça ce va. Média un nouveau jour. Alternatif. Jusque-là, ça va. L'Alter JT. Ouais. Voilà. Et là, t'as, pour le coup... Ah oui, mais on ne voit pas à l'écran parce que là, t'as mais vraiment ouais, un cheveu qui va dans ta bouche. On peut se dire, c'est presque un micro qui te... Pourquoi vous n'aimez pas le pessimisme. Il est trop tard pour être pessimiste. Bah déjà, bonjour. Si c'est Yann Arthus-Bertrand, ça veut dire qu'on lui a pris sa phrase. Oh.